Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Léo de la chaîne Techmaker. Et non, c'est Lopo qui espèce de sale con. Et aujourd'hui nous nous retrouvons sur VR Dungeon Knight. C'est un jeu en VR où tu contrôles un espèce de guerrier, on va dire. Regardez, j'ai une arbalète, je peux tirer. Waouh, c'est trop bien. Et en fait tu fais des donjons, c'est général à tourment. Et puis c'est rigolo parce qu'il y a des monstres et tout. Et j'ai un bouclier. Et voilà, qu'est-ce que j'ai dans mes poches? Bon, j'ai cette arbalète. J'ai une lampe. C'est joli hein. Puis c'est de la physique et tout. Et pour courir, c'est très marrant parce que dans ce jeu, tu téléportes pas. Il faut que tu mettes le stick en avant et que tu passes ça. Et ça, franchement, c'est très très drôle. Et voilà, j'aime bien. Et ça fait faire du sport. En plus, j'ai déjà mal au bras, fait chier. Bon, nous allons sélectionner des armes pour partir à l'aventure et défoncer les méchants pavots. Donc, bouclier. Ok, donc j'ai mon bouclier dans le dos, comme Link. J'ai une épée sur le côté, pas comme Link, mais je peux pas mettre de trucs en même temps dans le dos, fait chier. Ensuite, maintenant, nous allons prendre. Il y a un arc là, il y a aussi des flingues là-bas. Attendez, je vais vous en montrer un. C'est parce que c'est trop marrant les flingues. J'adore les pistolets. Là, tu fais ça. Là, tu le charges, tu vois. Et il chargeait à fond. Ah voilà, c'est bon. Nique ta mère. Et en fait, c'est tellement violent. Et en fait, donc à chaque fois que tu tires pour charger, pour mettre de la poudre, et plus t'en mets, plus c'est fort en fait. Oh, t'as un problème. Donc, je ne veux pas cette arme parce que déjà elle est lourde et c'est chiant quand c'est lourd. Il y a un petit pistolet là-bas, mais c'est un peu de la merde. Mais contrairement au gros flingue, il a pas besoin de se recharger tout le temps ce pistolet. Bon, ça ressemble à des feux d'artifice, c'est vrai, mais. Critiquez pas. Je prends la lanterne. Et je vais prendre aussi. Bah j'ai déjà une épée, je vais pas prendre une hache, ça n'a aucun sens. Je vais prendre du coup une potion. Cool. Je la mets à ma ceinture au niveau de mon pénis. Et on y va, c'est parti. Donc là en fait il y a plusieurs niveaux de difficulté pour les donjons. Là c'est difficile parce que c'est rouge, je crois, je suis daltonien, je ne sais pas. On va mettre en facile parce que facile c'est plus facile. Oh, tu critiques? Tu critiques pas ce que je dis? Je dis toujours des trucs intéressants. Donc du coup tu cliques là, hop. Là vous dites qu'est-ce que je peux faire maintenant? En fait, il faut que j'entre dans la porte là-bas déjà pour commencer. Hop! C'est parti! Et donc là, attention! J'ai l'impression d'être dans Final Fantasy! Trop bien! Et du coup, ça y est, le jeu commence. Oh merde! Tout s'enchaîne très rapidement! Je ne peux pas tout expliquer! Oh non! Reviens ici, bâtard! Je t'ai coupé la tête, mécréant! Tu n'avais qu'à pas être méchant! Parce que les méchants, c'était pas très gentil! Je me battais comme ça en primaire! J'ai toujours gagné mes batailles! Faites attention! En fait, parce que je veux aussi retourner des coups de bouclier, hein, mais j'ai l'impression qu'on fait. Vous avez peut-être l'impression que je fais n'importe quoi. C'est pas faux! Mais voilà, là tu vois quand je fais ça, c'est pas que je fais une danse acrobatique ni rien, c'est juste que je me protège avec mon épée et mon bouclier. Et oui, faut être malin les amis. C'est bon, nous avons gagné. Ça je suis pas obligé de le faire mais j'ai envie de le faire. En plus, ça c'est un bon jeu de c'est un bon roguelike en VR. Un roguelike ça se dit, si ça se dit. Tu peux escalader des trucs comme ça, hop hop. Hop, 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 tu vois, je fais les tractions et tout là. On m'appelle un peu le Thibaut InShape de VR Dungeon Knight, si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, le truc, c'est de se balader, de tuer des monstres, de trouver des pièces, d'acheter des trucs. Tu montes de niveau pour être un peu plus fort et tout. C'est très cool. Et là, il y a une salle où je vais peut-être devoir réfléchir. Là, vous voyez au-dessus là? Vous le voyez ça, hein? Ah, que vous le voyez, tu l'as vu? Ça, c'est un piège qui va acheter une putain de boule de feu quand je vais passer devant. Alors, là aussi, il y a un piège là-bas. Et du coup, la solution aussi, c'est. Exemer! C'est bon là, il n'y a plus de boule de feu. Pourquoi tu fais toujours le bruit? Arrête! Il me voit pas. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Je suis à couvert. En fait, quand t'es accroupi, t'es camouflé en quelque sorte. Il m'a pas vu, mais ce jeu n'a aucun sens. Ah, j'ai confondu mes mains là. Oui, bon, c'est très con de dire ça dans un autre contexte. Mais arrêtez de me critiquer. Oh, le fils de pute! Bon, ils sont gentils les monstres parce qu'ils attaquent toujours un par un, tu vois, c'est un peu comme dans dans plein de jeux à la con. En vrai, j'adore ce jeu, j'ai joué 14 heures en tout, je prends VR, mais il est trop bien, il est trop cool. En fait, ouais, quand, aussi ce que je disais tout à l'heure vite fait, quand t'es comme ça, là, personne te voit. Enfin, normalement, les ennemis, quand t'es un peu caché, te voient pas. Là, il y a un monstre qui arrive, là. Et quand tu les prends par surprise, tu les tues en un coup. Et ça c'est bien, ça c'est cool. Vu qu'il m'avait pas vu, j'ai tué avant qu'il me voit, voilà, tranquille. Est-ce que je peux aller par là-bas? Où suis-je? Il y a des trucs là-bas! Je sais! La musique change!
Attention, hein, moi je ne rigole pas. En vrai, honnêtement, je trouve que ce jeu il est mieux que Skyrim VR, mais j'en ferai une critique parce que Skyrim VR, j'y ai joué, moi j'ai des choses à dire, monsieur. Attention, moi je rigole pas, hein. Moi il va tester ou pas être content, mais moi je m'en fous. Attends, on va se foutre accroupi comme ça. Ah, c'est des fantômes en plus. Fait chier. Les fantômes ils sont chiants parce qu'ils tirent des trucs à distance, je crois. C'est bon, ils sont retournés là. Niquez Homer! Alors là, vous avez peut-être l'impression que je fais n'importe quoi. Je viens de prendre super cher. Oh, mais ils explosent! Si vous venez de voir voler, c'était mon cadavre. Non! Fais chier! Putain, je suis mort! Putain, je suis le roi des cons. Mais j'ai rien aussi à distance, là. Fais chier. Je vais jeter la potion là. Et comme Robin des Bois, je prends un arc. Et je vais prendre aussi un carquois. Voilà, un quiver carquois. Comme ça, je vais pouvoir jeter des flèches à distance et faire waouh, dans ta gueule! Tu vois, comme ça, tu vois, genre de choses. Allez, c'est parti! Et j'espère ne pas mourir comme un con cette fois-ci. J'aimerais bien ranger mon épée dans mon dos, mais j'y arrive pas. Heureusement que les monstres, ils sont, c'est que des intelligences artificielles, sinon ce serait de ma gueule. Quoi? Genre, mais d'où je t'ai pas touché? Quoi? Mais genre, mais d'où? Voilà, là, je t'ai touché, putain. J'ai plus de flèches? Si, j'en ai encore. Attends, j'ai pas 3 flèches, j'en veux encore quoi, putain? Nique ta mère! Oh, oh! Ça lag un peu! Ça rame un peu! Ça rame du cul! Oui! Putain, je vais te... Aïe! Non! Je ne suis pas prêt pour me battre comme ça! C'est bon, quand vous venez un par un, c'est beaucoup plus facile! Oh, je vais bientôt crever! Parce que là, je crois que ma vision, elle est un peu plus grisâtre. Si je me trompe pas. Putain, lui, il tire vite! Putain, ils m'ont défoncé, quoi. Ça va, d'après mon truc, ils disent que je suis toujours en santé. Ça va. Parce que ma vie, c'est le petit mot qui est écrit en bas. Voilà, ce que j'avais à dire. J'espère que c'était intéressant, que vous mettrez une bonne note, s'il vous plaît, sur TripAdvisor. On peut péter les caisses pour retrouver un peu des trucs. D'ailleurs, la physique des caisses, elle est un peu pétée. Mais moi, j'aime bien tout ce qui est bug, tout ça, vous savez. Et même, il y a un bug, si tu te mets comme ça et que tu te baisses, tu peux voler avec la caisse. Mais moi, je joue pas au jeu pour ça, laisse-moi tranquille, merde. J'attire tous les bugs vers moi. Je ne sais pas pourquoi ma vie est comme ça. En plus, j'ai récupéré un bout de viande, je suis très content. Ça m'a permis de me régénérer un petit peu. Et je suis très heureux. Il n'y a pas que des salles à l'intérieur, aussi des trucs à l'extérieur. Avec une pluie moyennement bien faite, hein. On va pas se le cacher. Des fois, il y a des trucs derrière, c'est pour ça que je regarde. C'est pas parce que je me fais chier, pas du tout. C'est juste que. En fait, il faut des fois regarder, fouiller un petit peu. C'est vrai que je ne fouille pas beaucoup. Parce que des fois, il y a des pièces d'or, de cachets. Qui te permettent, du coup, d'acheter des équipements. Enfin, vous voyez mon bras et tout là. C'est des équipements, enfin des espèces de classes que t'achètes et qui te permettent genre d'avoir des réductions de dégâts et tout. Et vu que j'ai joué beaucoup au jeu, j'ai déjà tout acheté et du coup l'argent ça me sert plus à rien. Mais je les garde pour une prochaine mise à jour. Peut-être, qui sait. Voilà, hop. Je prépare mon arc, je le bande. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour en vidéo. Ma flèche est toujours encochée dans mon arc, du coup je peux avancer comme cela. On voit rien, on voit pas grand chose, hein. Mais d'accord. J'aurais peut-être dû prendre une lampe ou un truc, non? Bien écoutez. Oh! Oh! Ah, non! Heureusement que c'est un con, hein. Allez, sniper! Putain, fais chier! J'ai jamais été fort à Fortnite! Pourquoi tu m'en fais. Tu me fais rappeler mes mauvais souvenirs, jeu de merde! Quoi? Mais d'où ça touche le sol? C'est. Non! Non, mais. Non! Toi, t'es mort? Toi t'es pas mort parce que je suis pas visé. Allez là, là c'est bon. Quoi? Putain mais je suis le roi des cons. Attends. Ah il m'a vu. Mais comment c'est... Attends mais il m'a vu d'où? Mais tu m'as vu d'où? Mais j'ai tué ton pote devant toi, tu m'as rien dit. Et là je sais pas d'où. Arrête. Oh j'en ai tué un. Putain comment je suis trop en sniper. Vous êtes où? Venez ici bande de lâches. J'en ai tué un encore. Oh, mais c'est incroyable. J'ai fait 2 kills d'affilée. Oh j'ai fait 3 kills. Putain, je pensais l'avoir. Ah oh, fais chier. Oh là là, non, non, faut que je fasse attention. Oui, oui, c'est bon. Oh, je l'ai contré avec mon arc, j'ai pas fait exprès. Attends, je peux les contrer avec mon arc? On peut pas contrer avec l'arc. Je sais pas comment j'ai fait tout à l'heure. Eh. Eh. Laisse-moi tranquille. Moi, je tape avec mon arc, hein. Oh putain, je sais même pas dans quelle position je suis dans la vraie vie. Ok. Ça va, c'est bon, tout va bien. Allez hop, c'est parti. Aventure compagnon, nous sommes partis vers l'horizon.
j'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. C'est de genre, en plus moi il faut savoir que j'ai un sens de l'orientation, mon gars il est terrible. Genre là, non mais, on est d'accord que c'est peut-être, c'est là d'où je viens non? J'ai quand même essayé de prendre la porte. C'est vraiment de là d'où je viens, ok. Bon normalement je suis pas censé laisser ce passage au montage parce que, parce qu'on va se moquer de moi après. Où est-ce qu'elle est cette sortie putain? J'ai l'impression vraiment d'être un gros con en courant comme ça, mais c'est très drôle. En vrai, on se rend pas compte mais ça fait vraiment bouger les bras, mais c'est ouf. Non mais... Parce que là il y a un truc pété mais je peux pas y aller. Ah mais là! Oh je suis trop con! Oh putain, maman pourquoi je suis plus con que les autres enfants, c'est ouf. Bon, est-ce que... Non c'est pas moi! Laissez-moi tranquille! Je pense qu'ils vont venir de là-bas. Le temps de dégainer mes armes, ouais je... Oh mais qu'est-ce qu'ils font? Eh, hey, attention moi, moi je contrôle tous tes coups hein, attention. J'ai voulu jouer au con. Fais chier. Ah! Oh il m'a foutu les boules. Putain. Et qu'est-ce qu'il y a là? Maintenant ensuite, oh il y a une clé là. Cool. J'ai une clé. Hop. Oh je connais cet endroit. Personne ne me vaincra ici. C'est des orques que je prends là-bas. Et je crois que tu peux tomber, faut que je fasse attention. Oh oh oh, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est quoi? C'est une boule de feu qui arrive là. Attends, attends, viens ici toi. Tu vas te la prendre par derrière ou pas? Ou c'est moi qui vais me la prendre quand même? C'est lui qui s'est prise. On est d'accord. Ah la vache, j'ai mal, j'ai pas compris. Lui c'est un peu chiant parce que quand si tu es des... Si tu es... Ah, lui il est un peu casse-couille parce que si tu le tues pas assez vite il s'énerve en fait. Il est tout rouge et il est pas content. Lui faut le tuer assez rapidement en fait. Le problème c'est qu'il y en a plein qui arrivent, fais chier. Viens ici! Tu crois que tu me fais peur? Moi je contre tous tes coups, tu ne me fais point peur! Je vais essayer de vite le démonter. Oh la vache! Mais what? Je suis pas bien du tout et si vous voyez que ma vie c'est marqué near death, ça veut dire que t'es bientôt mort en fait. Oh là là! Oh là 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 là! Lui il me tue avec sa hache. Attends. Fous-moi la paix, espèce de con! Je t'ai dit que je voulais pas ton numéro! J'ai. Alors, est-ce que j'ai eu un coup de pression? Oui, c'est vrai! Laissez-moi tranquille! Je suis dans mon coin! Non! Quoi, t'es pas mort? OMG, 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 mais putain, c'est pas possible! J'ai mis un. Il reste un pour ton point de vivre là-dessus! Salut! Ils arrivent. Oh là là, il a changé d'angle. Putain, qui est malin? Faut que je fasse quelque chose. Quitte à mourir, je le ferai dans l'honneur. Oh non. Toi t'es mort, fils de pute. Oh là là là, fais chier. Fais chier. Oh là là, j'aime pas en quelle direction je suis dans la vraie vie. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un jeu très fatigant, là, je suis un peu fatigué du coup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Moi, j'adore les jeux en VR. Enfin, dans mon temps libre, je fais beaucoup de ça. Et voilà, si ça vous plaît que je fasse des vidéos comme ça, n'hésitez pas à le dire. J'ai encore plein de jeux en VR à la con. Et j'ai même des jeux d'horreur. Et d'ailleurs, j'en ferai un jour en live et ça sera vachement rigolo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vais mettre fin à l'enregistrement. En réalité virtuelle, attention. A bientôt les amis. Hop, arrêtez l'enregistrement avec le bouton vert. Audacity, ça se fait pas faire le bougre.